Salut chers abonnés de la chaîne Investi au Bénin. Moi c'est Moïse Adonsiba et si tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, je te souhaite déjà la bienvenue. Surtout, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la notification pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de comment réaliser la pépinière de Garcinia Cola. Lorsqu'on parle de Garcinia Cola, c'est le nom scientifique en réalité du petit cola. Et en quoi appeler Bitter Cola. Donc c'est déjà un fruit très prisé, pas beaucoup de personnes, qui est utilisé au niveau de la médecine traditionnelle. C'est utilisé également comme aphrodisiaque et apprécié de beaucoup de personnes. Un fruit apprécié de beaucoup de personnes, mais beaucoup de personnes ne maîtrisent pas la technique de levée de germination. Beaucoup de personnes ne savent pas du tout comment réaliser la pépinière de cette graine-là. L'une des raisons pour lesquelles nous avons décidé aujourd'hui partager avec vous cette technique qui peut être utilisée quand même pour pouvoir avoir la pépinière, lever la dormance plutôt et réussir la pépinière du Garcinia Cola. Vous gardez le coup jusqu'à la fin de cette vidéo et c'est tout de suite après le jingle. Ok, donc comme nous le disons tout à l'heure, aujourd'hui nous allons vous apprendre comment réaliser, comment réussir la pépinière du Garcinia Cola, qui a quoi appeler petit cola. Donc déjà la première des choses qu'il vous faudra faire, c'est de pouvoir vous procurer des semences de qualité de cette plante là. Et lorsque je parle de la semence, en réalité, la semence, vous ne pouvez pas l'avoir n'importe où. Vous l'achetez chez des spécialistes, des gens, ce qu'ils font. Soit vous avez quelqu'un, un producteur, des producteurs qui ont l'arbre en question et vous allez là-bas pour prendre les semences en question. Lorsque les semences sont prises, il vous faudra d'abord enlever la pellicule qui entoure, qui protège cette graine-là. Et lorsque cela est enlevé, il faudra mettre cette semence dans l'eau et le laisser pendant 48 heures. Je dis bien 48 heures. Lorsque la semence est laissée dans l'eau pendant 48 heures, après les 48 heures maintenant, il faudra ressortir maintenant cette semence de l'eau et maintenant on passera à la mise en pot. Lorsque je parle de la mise en pot, il vous faudra d'abord un pot, un sachet qui est utilisé pour la réalisation de la pépinière, un sachet où vous avez un substrat meuble, aéré et drainant dedans et vous mettrez tout simplement votre semence dans le sachet en question. Lorsque cela est fait, vous commencez l'arrosage qui doit être fait au moins deux fois par jour, un arrosage matin, un arrosage le soir. Et vous commencez par arroser. Et ici, ce qu'on a ici spécialement, approche un peu la caméra, voilà. La plante qu'on a ici, on l'a mis en terre le 20 octobre 2021. Il y a 3 mois après, on a déjà la plante qui est à ce stade-là déjà. Donc, lorsque vous mettez la graine en terre, 3 mois après, vous avez ce résultat-là. Voilà, je résume rapidement ce que j'étais en train de dire. Je disais, premièrement, la première des choses à faire, c'est avoir la semence, une semence de qualité, de Garcinia Cola, que vous devez acheter chez un producteur. Lorsque vous le prenez, il suffira juste pour vous d'abord d'enlever la pellicule qui entoure cette semence. Lorsque cette pellicule est enlevée, il vous faudra tremper vos semences dans l'eau pendant une période de 48 heures. Après les 48 heures, vous ressortez vos semences de l'eau et ensuite maintenant vous passez dans vos pots. Vous envoyez ces semences dans les pots où vous aurez un substrat riche, un substrat drainant et bien aéré. Vous le mettez dedans et dès cet instant vous commencez par arroser deux fois par jour à raison de un arrosage le matin, un arrosage le soir. Et cela se fera pendant une durée de 3 mois. Normalement, après 3 mois, vous aurez 3 à 4 mois déjà, vous aurez des plants qui ont cette taille-là. Tu peux approcher un peu la caméra. Voilà, vous aurez des plants qui auront cette taille-là déjà. Voilà. Et normalement, déjà à partir de 1 mois, vous allez commencer par avoir des plants ayant cette taille.
trois mois déjà, vous avez les plants qui ont déjà cette taille là. Et ces plants en question sont déjà prêts à être mis en terre. Et ici, lorsque vous les mettez en terre, vous avez 4 à 5 ans, hein, 5 ans normalement, avant que cela ne rentre en floraison, pour que vous puissiez commencer maintenant par du tout produit, pas du tout, et pour que vous puissiez commencer déjà par avoir les fruits en question. Et donc déjà, et pour tous ceux qui souhaitent s'en procurer, les plants sont disponibles ici chez nous. Nous sommes actuellement, nous avons un site situé précisément au Bénin, hein, à Porte-Novo. Si vous êtes dans le besoin, essayez juste de nous contacter pour pouvoir faire vos réservations. Je dis bien faire les réservations parce que les plans, la plupart du temps, sont déjà réservés. Donc sans réservation, ce n'est pas évident du tout que vous puissiez en avoir. C'était Moïse Adou Siba de la chaîne Investi au Bénin. Merci.